Bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Et aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite en mode Battle Royale. On va rapidement parler de ce qui va arriver en fin de semaine et la semaine prochaine, puisque c'est des choses qui sont assez intéressantes. Donc préparez-vous pour une petite vidéo d'information. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et on est parti. Aujourd'hui, petite micro mise à jour, 14h, nouvelle arme, petit pistolet silencieux qui est vraiment surpuissant et qui est vraiment pas mal, qui existe en épique ou en légendaire. Pour ceux qui voudraient une petite vidéo de test, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où on a tenté de faire un top 1 avec cette arme. Je vous dis pas le résultat. Donc ça, c'est la nouvelle arme qui est arrivée aujourd'hui. On va passer maintenant à ce qui va arriver à la fin de semaine. Epic Games et Fortnite ont décidé de réaliser un événement avec un mode à temps limité, un peu comme le mode gros explosif qui a disparu tout à l'heure à 14h. Cette fois-ci, le mode temporaire sera discrétion totale. Utilisez les armes les plus discrètes et la furtivité pour remporter la victoire. Soyez le plus parfait des buissons disponibles du 5 au 8 janvier. Donc à partir de vendredi jusqu'au 8 janvier sortira un nouveau mode qui s'appellera le mode discrétion totale, où bien évidemment vous l'avez compris, il y aura seulement des armes silencieuses. Donc nous n'avons que deux armes silencieuses sur Fortnite en mode Battle Royale. Nous avons la SMG silencieuse et le pistolet qui a été rajouté tout à l'heure. A noter qu'ils ont dit que le nombre de buissons allait être augmenté en taux d'apparition, c'est-à-dire qu'il y aura plus de buissons que d'armes qui vont spawn sur la carte. Donc ça risque de faire chier énormément de joueurs. Mais bon, le mode discrétion totale, c'est quand même d'être le plus discret possible. Et du coup, eh ben, ça fait un petit truc. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc je vous donne bien évidemment rendez-vous dès le 5 janvier pour tester ce nouveau mode en live. Donc discrétion totale, comme le mode gros explosif, j'ai grave kiffé. Donc peut-être que je vais grave kiffer aussi ce mode. Et comme d'habitude, Epic Games et Fortnite nous ont teasé un petit peu ce qui allait arriver prochainement sur Fortnite en mode Battle Royale. Et cette fois-ci, c'est pas un objet, c'est pas un piège, c'est un objet. C'est un objet qui se nomme le feu de camp. Alors venez vous réchauffer autour du feu. Cet objet régénère lentement des PV des joueurs autour de ce feu de camp, disponible la semaine prochaine. Alors on ne sait pas vraiment comment ça se déroulera par rapport à ce feu de camp. Est-ce que ce sera un objet qui sera directement placé sur la carte et du coup chaque joueur pourra y venir y récupérer quelques PV quand il le voudra, ou ce sera un objet complètement indépendant qu'on pourra trouver sur le sol ou dans des coffres ou dans des ravitaillements et que chacun pourra poser et reprendre des PV quand il le voudra. À voir maintenant si ça fonctionne que pour les alliés ou si ça fonctionne aussi pour les ennemis. Je suis un petit peu perplexe à ce niveau là, je ne sais pas vraiment ce que ça pourrait donner, mais en tout cas c'est vraiment une petite nouveauté, une petite originalité comme on les aime sur Fortnite en mode Battle Royale comme sur le mode solo. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire à votre avis. De quoi est-ce que ça pourrait s'agir? Est-ce que ce serait un objet qu'on pourrait placer nous-mêmes, ou ce serait un objet qui serait placé directement sur Fortnite? Peut-être un objet dans chaque endroit assez important de Fortnite, comme par exemple à Pleasant Park, à Anarchy, à Greasy Groove, etc. Bref, dans tous les cas, on verra la semaine prochaine, mais n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette petite vidéo d'information. J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle, et nous on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde.